Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Damien Viguier. J'habite en France, c'est-à-dire vous avez la Chine qui est ici et j'habite ici. Voilà. Dans la vie, je suis avocat. J'ai étudié le droit, je l'enseigne aussi, je donne des cours et j'écris des livres. Notamment, je suis en train d'écrire un livre sur l'évolution de la famille en Europe. Voilà pour la présentation. Nous sommes le 21 mars 2020. Il est 14h30. Je suis donc confiné, comme tout le monde. Et sinon, dans la vie, je suis avocat, hein, normalement. Mais en ce moment, il n'y a plus besoin d'avocat. Alors donc, comment je m'organise? Je dois vous dire que j'ai ressorti, pour garder la forme, j'ai ressorti une corde à sauter. Voilà, pour faire de l'exercice. J'espère que ça ne dérange pas trop les voisins en dessous. Et j'ai également un matériel pour marcher. Voilà. Voilà. Pour faire un peu d'exercice. Par ailleurs, j'ai pu trouver un masque pour sortir. Sortir. Mais c'est très curieux. Il n'y a plus de masque. On n'en trouve pas en France. Pourtant, il y a plus d'un mois, on nous avait dit qu'il y en avait des millions, qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. J'ai également même sorti, si jamais il faut toucher des surfaces, des gants, mais on nous avait dit il y a un mois et demi de ne pas nous inquiéter, que c'était très peu contagieux. Il fallait vraiment un contact étroit et prolongé, hein. C'est le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nous avait dit que c'était pas contagieux. On nous avait dit également que ce n'était pas grave, ce n'était pas dangereux. Voilà, ça les a pas empêchés de donc bizarrement du jour au lendemain de nous interdire de sortir. Donc le masque, les gants. Ah oui, on nous avait dit que c'était très peu contagieux, mais en réalité il semble que ce soit très contagieux. Donc c'est pour ça que j'ai même des lunettes de natation